m'appelle Jamal Zarifi, je vis à l'Afghanistan. Je travaille dans le domaine informatique chez EDEX. Bonjour, donc Guillaume Laurency, moi je suis le patron des usages numériques, donc de l'informatique chez EDEX depuis 4 ans. Un ami qui m'a présenté Codico. Nous, ça fait partie d'une envie d'EDEX d'être un petit peu plus engagé. Et donc, moi, j'ai rencontré Codico par le biais de notre direction de l'engagement qui m'a proposé d'être pilote dans un événement organisé par Codico qui provoque ça, en fait, qui permet la mise en relation. Parce que je pense qu'on ne serait peut-être jamais croisés de nos vies si Codico avait pas préparé cette rencontre. Voilà, et c'est d'ailleurs plutôt bien amené, parce que c'est un événement où on prend le temps de découvrir un peu la culture de l'autre. C'est informatique, grâce à M. Guillaume et Codico. Je trouve mon ravi de travailler dans un secteur domaine informatique. En vrai, ça a été assez vite, parce que je pense qu'on avait eu un bon feeling de la première rencontre. Je pense que Chaïk a dû venir deux fois ici. Je l'ai fait venir deux fois, une première fois pour qu'il découvre un peu l'environnement, pour qu'on discute dans l'environnement professionnel. Puis une deuxième fois, j'ai proposé à Chaïk d'aller rencontrer mes troupes à différents postes de gens qui travaillent. Et puis pour créer de l'échange avec des personnes qui pouvaient être dans des métiers que lui pouvait avoir envie de faire demain, en fait. Et à l'issue de cette rencontre, on a eu envie d'aller plus loin. C'était très une expérience riche. C'était mon première fois que j'ai vu une entreprise, comment elle marche, comment elle travaille, les différents secteurs qui travaillent dans l'EDEX. J'étais persuadé que pour son parcours, il fallait à un moment provoquer l'opportunité de travailler un peu. Donc j'ai voulu trouver un chemin pour ça. Donc on a utilisé un dispositif d'insertion pour permettre à Chaïk de travailler un peu avec nous. L'idée étant de lui permettre aussi de comprendre certains métiers et puis de trouver sa voie, quoi. Et les gens avec qui il travaillait sont venus me confirmer qu'on avait là un candidat intéressant, motivé, bosseur. Et ça nous a donné envie d'aller un peu plus loin. J'ai cru que c'était juste un mois stage. J'ai pas imaginé qu'elle m'a proposé le CDD. Elle m'a choqué, franchement. J'ai rencontré avec M. Guillaume et il m'a dit qu'on a donné une opportunité pour vous, utiliser l'opportunité. Heureusement, je suis très content. Maintenant, je connais que j'ai une future très blanche. Attends-moi. Ça, M. Guillaume, je travaille, j'ai un contrat CDD. Et aussi pour la future, je vais faire l'alternance. Chaïk, il a très envie, à moyen terme, de travailler dans la cybersécurité. Pour en arriver là, il faut d'abord confirmer des compétences techniques aussi un peu informatiques. Il faut créer le background et tout ça. Et donc, on a essayé de l'aider à s'orienter pour trouver cette formation d'alternance. Et on a très envie qu'il la fasse avec EDEX. C'est espoir pour l'avenir. Moi, je suis très content d'être tombé sur Chaïk et d'être tombé sur un gars qui a envie et puis avec lequel ça se passe bien. Et à titre perso, je trouve que c'est bien de temps en temps d'avoir ce type d'opportunité, de sortir un peu du cadre usuel du travail comme on le vit tous les jours, quoi. Voilà.